Vous allez bien? Vous êtes là? Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ok, je vais faire comme ça. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Ouais, ça marche. Ok, on va se lever, on va lire la parole ensemble, s'il vous plaît. Donc, la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Merci encore pour les chants. Super introduction, pasteur Jean. Merci beaucoup sur la parole, sur les augures de Dieu. Ah, c'était très intéressant. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Arrêtez là. Seigneur, merci encore de continuer de nous parler ce matin, clairement, mais de faire ce travail mystérieux, mais vrai, dans le cœur de tes enfants, pour que nous puissions et te voir et être transformés de plus en plus à ton image. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Donc, on est dans notre série sur l'amour et... Ça fait peur quand même, hein, l'amour. Pendant que j'étais en train de lire ces versets, j'ai dit, ça fait peur quand même. À quel point nous sommes loin de ça. Ben, vous êtes loin de ça, vraiment. Ça fait peur. Hein. Non, non, mais c'est vrai. Tu lis mot après mot, tu dis, waouh, c'est beau. Hein. Ça fait peur. Parce qu'il s'adresse à moi, Dieu. Il s'adresse à toi. Et pendant qu'on lit ces mots, on voit plein de situations de nos vies. Et on dit, oula, là non. Là, non. Avec lui, surtout pas. Et même des fois avec soi-même. Donc c'est vrai que l'amour, c'est beau. La pensée de tout ce que Paul nous dit là, extraordinaire. Mais c'est tellement désarmant pour l'homme naturel parce que on parle de quelque chose qui est étranger. On parle de... Là, ce que nous révèle Paul, c'est étranger en vérité, pour l'homme naturel, je veux dire. L'homme qui vit sans Dieu ou le chrétien qui ne vit pas dans l'esprit de Dieu, c'est quelque chose de complètement étranger. On va s'en sortir sur un ou deux mots, des fois on dit « ouais, c'est vrai, j'arrive à pardonner quand même ». Ouais. Mais attends que la situation ne se passe pas bien avec la même personne, tu verras si tu as réellement pardonné, si tu ramènes à ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle a fait à l'époque. Donc, c'est un sujet intéressant, l'amour. Et pourtant, c'est là où on ne peut pas tricher, en vérité. Soit Christ vient à nous et on lui laisse faire ce travail dans nos cœurs afin que lui puisse se révéler tel qu'il est. Parce que là, quand on parle d'amour, on parle de Christ. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas tricher. On peut tout se revêtir d'un uniforme de chrétien, d'une apparence. Mais quand Paul parle de l'amour, Et il met la lumière. C'est pour ça que je dis, ça fait peur. Comme quand on se lève le matin, tu vas devant le miroir, tu mets la lumière. Ah, c'est qui? Ou quand tu es dans le lit, tu te tournes. Ah, c'est qui? J'ai pas signé pour ça. Non, c'est ma femme quand elle me voit, je veux dire. Moi, quand je la vois, je dis, oh, waouh, comme dans Genèse. Waouh. Quand elle me voit, elle a eu peur la fois, elle a pris des cheveux blancs. Je dis, c'est moi, c'est moi. Il me dit, ne parle pas, ne parle pas. C'est là qu'on voit que... En tout cas, l'amour. Et nous avions vu il y a quelques semaines en arrière que l'amour était patient. Vous vous souvenez, macrothumia, hein,
Et quand j'avais enseigné sur la patience à l'Institut biblique il y a quelques années en arrière, je sais que macrothumia, je vais donner l'exemple, c'était comme, voilà, c'est la longueur de ma main. Donc là, je suis macrothumia, là, je suis macrothumia, là, je suis macrothumia. Là, quand ça dépasse, je ne suis plus macrothumia. Il n'y a plus de patience, là. C'est une blague, hein? Bon. On dit, il est fou, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais donc l'amour est patient, l'amour est serviable, et on avait vu ensemble qu'il n'était pas envieux. Donc on fait des parallèles entre ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour, côté positif, côté négatif, dans le texte en tout cas. Et donc là, ce matin, je voulais juste voir deux mots. C'est l'amour est serviable, et je crois que dans certaines traductions, vous avez quoi comme traduction? Qu'est-ce qui est marqué? C'est pour ça si vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas trop là, hein? Si, il y a quelqu'un? Alors, serviable, d'accord, ok, c'est ce que je viens de dire, merci. Il y en a qui pensent qu'il est sénile, il faut l'aider. Il est serviable, l'amour, je sais, ok. Il est plein de bonté, certaines traductions, c'est ça? Ok. Donc, effectivement, en tout cas, le mot grec parle vraiment du fait de... littéralement, la racine du mot, ça signifie... disposé à être utile, être serviable. L'amour est disposé à être utile. Et effectivement, ça nous parle de servir, ça nous parle de... Et c'est intéressant parce que Paul, il nous parle de l'amour de Dieu, mais il nous parle de l'amour de Dieu efficace dans la vie du croyant. Et donc, c'est comme s'il disait, mais voilà ce qu'est l'amour, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu revêts l'amour d'un corps, mais voilà comment ce corps se manifeste. Et donc là, il parle d'être serviable. L'amour est serviable. Et n'oubliez pas le contexte, c'est que les Corinthiens étaient tellement occupés, même préoccupés par ce qui pouvait se manifester à travers leur vie, notamment les dons. Et pour eux, ils étaient en comparaison, ils étaient même en division par rapport à l'expression des dons spirituels. Donc Paul leur dit, ok, les dons spirituels, le Saint-Esprit les donne comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Et c'est extraordinaire parce que c'est la vie de Dieu, les dons. Les dons de l'Esprit que Dieu donne au travers de l'Esprit sont là pour édifier, construire l'Église, le corps de Christ. Mais, les dons sont un outil, sont un moyen. Le but principal et le support des dons, c'est l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, les dons ne servent complètement à rien. Et même, si vous lisez les versets d'avant, il dit que même il y a beaucoup de choses qui ne servent en vérité à rien, dans le sens éternel, je veux dire. Il dit donner son corps, même si tu donnais ton corps à être brûlé pour une bonne cause. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu prophétises, si tu évangélises, si tu fais ceci ou cela, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien en vérité. Parce qu'en vérité, tu te sers des dons, tu te sers même d'une cause pour te réaliser. C'est tout le contraire de l'amour. Et c'est ce que Paul dit dans ce mot-là. L'amour est serviable. L'amour est disposé à être utile. Regardez tous ceux qui ont été touchés par Dieu. Si on regarde le prophète Ésaïe dans Ésaïe 6, il dit, mais me voici, envoie-moi. Acte 9, Paul, il est touché par Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, que veux-tu que je fasse? On voit que quand Dieu nous atteint, on est disposé à être utile. Mais dans le sens large d'être disposé. Parce que des fois, on peut être disposé à manifester ce que nous savons faire. Voilà, j'ai des dons, j'ai des capacités, je veux bien vous aider. Et c'est chouette, hein, c'est super. Mais peut-être que même si, par exemple, Dieu m'a donné le don de prêcher, par exemple, ou d'être pasteur, mais avant d'être pasteur, ou en tout cas l'attitude de cœur, avant d'exprimer le don du pastorat, par exemple, peut-être que
Dieu voulait m'établir dans l'amour, et le moyen de m'établir dans l'amour, c'était de disposer mon cœur à être disponible, à être utile. Sous-entendu, mais peut-être pendant des années, et quand je dis peut-être, c'était la réalité, mais je fais le ménage au lieu de prêcher. Ou je faisais l'accueil, ou j'étais dans la cuisine, ou je faisais la vaisselle. J'étais disponible. Pour moi, servir Dieu à la vaisselle, ou en faisant le ménage, ou en accueillant les frères et sœurs, pour moi, c'était autant important que de venir ici de prêcher. Autant. Disposé à être utile pour les autres. Disposé à être utile. Donc ça ouvre notre façon de penser sur le fait d'être disponible. Et souvent dans le corps de Christ, ce qui étouffe la vie de Dieu, ce qui étouffe l'amour de Dieu, c'est que des fois on ne sait plus, est-ce que je manifeste des dons pour servir les autres ou est-ce que je me sers à travers mes dons? Mais la question c'est, est-ce que je suis disponible à être utilisé par Dieu? Est-ce que je suis gêné si on me demande de faire la vaisselle ou de faire des toilettes? Et je suis seulement honoré si on me demande de faire de la musique ou de prêcher ou de... Et ça révèle les cœurs. Dans l'Église, on devrait être là, mes amis, remplis de cet amour qui nous rend disposés à être utiles. Regardez Jésus, il était tout terrain, Jésus. Il prêchait aux foules. Et puis, il rentre avec ses disciples, il dit, bon, ils prennent une serviette, une bassine, ils commencent à laver leurs pieds. Et même, ils sont gênés. Ils disent, attendez, t'es Jésus, quoi. Tu fais des miracles, tout le monde t'écoute, tu as une sagesse, une autorité incroyable. Et Pierre dit, non. Et Jésus dit, si je te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Et on devrait être, quelque part, cette multitâche dans le corps de Christ. Alors, dans l'attitude de cœur. Maintenant, si Dieu, par l'Esprit, vous a donné des dons, évidemment, qu'il veut, il ne les a pas donnés en fermant les yeux, en disant, bon, allez, tiens, allez, les gars, je distribue les cartes, on verra comment ça se passe. Il n'est pas là-dedans. Si Dieu donne des dons spirituels, c'est dans sa sagesse pour édifier, pour construire nos vies, les uns aux autres, le corps de Christ, on est d'accord. Mais des fois, entre l'expression de l'utilisation de ces dons et la préparation pour au mieux les exprimer, la différence est juste ce qu'on entend là. L'amour est disposé à être utile. Disposé à être utile. Une sorte de spontanéité de cœur aussi. S'il y a le bien que je peux faire, je veux le faire. Et c'est vraiment important de penser comme ça parce que regardez quand, j'en ai parlé à l'étude biblique de mardi soir, mais c'est intéressant de voir dans Apocalypse 2 quand Jésus fait le reproche à l'église d'Éphèse. Et cette église, quand vous regardez tout ce que cette église était capable de faire, c'était extraordinaire. Tout ce que faisait cette église, ils étaient doctrinalement, ils étaient carrés, dans leurs œuvres, ils étaient irréprochables. Enfin, je veux dire, ils se tenaient contre les Nicolaïdes, même Jésus dit, mais ça me plaît, qu'il y avait de fausses doctrines. Donc, ils étaient vraiment exemplaires. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Mais j'ai contre toi quelque chose. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et dans le grec, le mot premier, ça parle de prémisse, ça parle du meilleur. C'est un peu comme, vous savez, quand, dans l'Ancien Testament, quand les Israélites devaient donner la dîme à Dieu, c'était des agriculteurs, ils donnaient pas simplement 10%, mais ils donnaient la meilleure partie de leur fruit. Et le premier, c'était le meilleur, le premier et le plus important de leur fruit. Ils donnaient... Dès qu'il y avait quelque chose qui sortait, c'était 10% qu'on donnait à Dieu. Et en général, c'était les meilleurs fruits, la meilleure récolte. Et c'est le même mot qui est utilisé, mais en grec, là. C'est le chef, le meilleur, ce qui est en premier. Sous-entendu, l'Église d'Éphèse aimait Dieu. Comme nous, certains ici d'entre nous, nous aimons Dieu. Mais notre amour, ce n'est pas le premier. Notre amour pour Dieu n'est pas cet amour qui est avant toute chose. Le mot grec parle de quelque chose qui est avant toute chose, dans l'espace, dans le temps. Et ce qui peut nous garder de perdre cette première amour, c'est ce que dit Paul. Là. L'amour est serviable,
disposé à être utile. Et on peut se poser la question, est-ce que je suis disposé à être utile vis-à-vis de Dieu? Mais mes amis, si je suis dans... C'est vrai, je peux prier, je peux adorer Dieu, je peux lire ma Bible et m'édifier moi-même. Mais en vérité, si je sers Dieu, automatiquement, c'est servir les hommes. C'est servir son corps. C'est clair. Donc, est-ce que je peux dire que dans ma vie pratique, est-ce que j'exprime l'amour de Dieu? Est-ce que je suis disponible à être utilisé? C'est sûr que ça remet en question notre emploi du temps, peut-être. Tu sais, on a pris des années à s'organiser. Enfin, j'ai trouvé l'équilibre pour vivre le bonheur, comme disait Pasteur Georges. Et quand vous lisez les évangiles, Jésus était le spécialiste pour mettre du désordre là où il y avait entre guillemets de l'ordre naturel. Hein, tout était bien lisse, il y avait les pharisiens, ils avaient leur place, tout était bien organisé. Et Jésus, il arrive, il dit, bon les gars, allez, on prend tout, on recommence. Ah non, attends, mais ça fait des années que j'ai travaillé pour ça, quoi. Ah, t'es bien équilibré, ma vie de famille, c'est presque à la minute, à la seconde près. Et je suis un chef d'orchestre extraordinaire, quoi. Je lève la baguette, l'harmonie est magnifique. Et Jésus, il vient, il dit, bon les gars, allez. C'est très, très, c'est super, bravo. Hein. Mais on fait autrement. Et ça montre si on est dans l'amour aussi. C'est quand tu dis, je suis prêt à servir, puis tu sers de tout ton cœur peut-être. Et peut-être Dieu va te dire, ou par un frère, ou par une soeur, ok, c'est super, mais on fait autrement. Et là, ouf. Et là, c'est dur. Mais c'est ce que dit Paul, là, il parle de cet amour, vraiment, qui est serviable, disposé à être utile. Tu veux qu'on fasse comme ça, on fait comme ça. Autrement. Je m'assois, juste ce cœur, juste d'être conscient de Dieu, pas conscient de soi. L'homme naturel, il est serviable, mais il faut que ça l'arrange. Je suis serviable, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis à 100% avec vous. Tu peux venir? Non, pas là, non. Non, pas là. Jamais. Ok, on se verra l'an prochain. Donc, il est serviable. Et ça demande de se remettre en question devant Dieu, dans la prière peut-être. Dis, Seigneur, je veux manifester cet amour, être serviable, être disposé à être utile. Vous savez aussi, ce qui peut nous empêcher à manifester cet amour, c'est le légalisme. Il y a des gens qui ont été, et peut-être ça, souvent ça peut venir de l'éducation, hein. Il y a des gens qui ont été éduqués même dans une forme de christianisme très légaliste où il ne faut pas qu'un poil dépasse, quoi. Il faut que ça marche droit, quoi. Et si ça ne marche pas droit, si un enfant crie trop, si la chaise n'est pas rangée au bon endroit, si le cadre est un peu tordu, si la personne ne peut pas, quoi. On dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop, quoi. Et Dieu dit, ouais, mais ça veut dire que tu t'es réfugié dans le perfectionnisme. Sous-entendu, tu penses que tu es à la hauteur et que les autres ne le sont pas. En vérité, c'est l'arbre qui cache la forêt de l'orgueil. Et ça ne rend pas un cœur disposé à être utile. Parce que tu vois tout ce qui ne va pas chez les autres. Comment, ce que dit Jésus, pour le dire autrement, hein, comment tu peux aimer ton frère si tu vois la paille qui est dans son œil? Alors que Jésus te dit, hey, toi, tu as une poutre. Donc tu as des gens qui sont comme ça, ils vont te parler, mais vraiment dur, quoi. Hey, t'as vu le poil qui dépasse, là? Pardon, oui. Hein? T'as vu le cadre, il est tordu. Et toi, si t'as le malheur de leur dire, ta chaussure a une petite saleté, là. Tu m'as blessé. Attends, je comprends pas, là. Toi, tu peux, mais moi, non. Bon. Et ça, c'est ce perfectionnisme. Bien sûr qu'on devrait tendre à l'excellence. On est tous d'accord. Mais pour tendre à l'excellence, il faut un fondement exclusif de la grâce. Il n'y a que la grâce qui atteint le standard de Dieu. Et il n'y a que la grâce qui nous amène à vivre ce standard-là. En dehors de la grâce, c'est un standard humain. Et là, il n'y a pas la vie de Dieu. Donc le perfectionnisme, hein, qui est très français d'ailleurs, nous enferme
dans une forme de pensée qui va nous enlever la substance de l'essentiel. C'est l'amour. C'est l'amour. Et quand tu arrêtes d'aimer, pour le dire autrement, quand tu as, parce que quelqu'un qui est perfectionniste, il a du mal à s'accepter lui-même. Il est aussi dur qu'il est avec vous, il est avec lui-même. C'est quelqu'un qui a du mal à recevoir avec humilité l'amour de Dieu. Quelqu'un qui ne reçoit pas avec humilité l'amour de Dieu, comment peut-il la donner aux autres? C'est impossible. C'est impossible. Donc, ce perfectionnisme-là a fait beaucoup de mal dans les relations, fait beaucoup de mal dans les familles, fait beaucoup de mal dans l'éducation aussi. Parce qu'on va commencer à humilier nos enfants en pensant que hein, ça va l'aider, ça va le booster, il faut que hein, toujours plus haut, plus fort. Et... Non, ce n'est pas un objet de marketing. Hein. Disposer à être utile, et regardez à quel point Jésus a été disposé à être utile au point d'être mis au rang des malfaiteurs. D'être placé au rang des gens qui n'avaient aucune valeur. Il s'est abaissé à être plus bas que qu'un serviteur, qu'un esclave littéralement. Disposé à être utile. C'est ce que Paul est en train de dire. L'amour, il est comme ça. Alors là, mes amis, alors après avoir dit tout cela, ça fait encore plus peur. Mais rassurez-vous, Dieu ne te le demande pas à toi, il te demande juste d'être ce vase qui se laisse remplir de son amour, de sa vie, de sa personne, pour que lui puisse s'exprimer à travers toi. La vie chrétienne, c'est laisser le Christ, espoir de gloire en toi, s'exprimer à travers toi. Et ça peut demander, oui, de la discipline personnelle. Comme disait Pasteur Georges, si tu es devant ta télé avec des pop-corns toute la journée, hein, tu peux dire que tu reçois l'amour de Dieu, tout ce que tu veux, zéro. Hein, zéro plus zéro, là. Pourquoi vous parlez de Toto? Il n'y a pas Toto. Non, mais vous voyez, donc il y a la discipline personnelle, c'est fait pour vraiment laisser la chair, ne pas permettre à la chair, pardon, d'avoir le dessus sur la vie de l'esprit en nous. D'accord? Si on est juste au feeling, il faut que je ressente, tiens, on est un peu comme cette voile au vent. Là. Oh là, il faut que je ressente de lire la Bible. Si tu fais ça, tu ne vas pas lire souvent, je te le dis. Hein. Là, il faut que je sente la voile de l'esprit pour prier. Tu ne vas pas prier souvent, je te le dis aussi. Il y a une forme de discipline qui est nécessaire. Hein? Donc, un cerf-volant, il ne sert à rien. Mais une voile, un bateau, elle permet de diriger et de faire avancer le bateau. C'est la différence. La discipline, c'est cette voile qui est bien placée au bon endroit. Bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, ça va, vous allez toujours bien? Ok. Deuxième chose. Donc, Dieu veut qu'on manifeste cet amour au travers de nos dons. Encore une fois, disposé à être. Vous êtes avec moi? Disposé à être utile. Vous pouvez dire à votre voisin, vous pouvez regarder votre voisin, tu dis, hey, je prie Dieu d'avoir cette attitude d'être disposé à être utile. Allez-y, dis-le à votre voisin. Regardez, voisin. Ok, qui a dit, qui, levez la main, qui c'est qui a osé dire ça? Ok, Yvan, regarde pour le ménage, regarde tout ça, regarde. Regarde toutes ces mains pour la vaisselle, c'est bien. Ok, ok. On est taquin. En tout cas, deuxième mot. Vous êtes prêts? Je serai plus court. Il y en a qui sourient. Non. L'amour ne se vante pas. Oh, oh, il ne se vante pas. Alors, le mot, vous êtes prêts au mot grec? Ça signifie ne se vante pas. Non, ça, écoutez bien, c'est intéressant. Il dit ça inclut toute forme de désir d'obtenir l'applaudissement des autres.
Donc, on ne cherche pas ni l'admiration, ni la reconnaissance. C'est bien lié avec l'autre mot aussi. Donc, ne se vante pas, ça parle d'une attitude extérieure. Quelqu'un qui cherche à être reconnu, à être applaudi. Des fois, vous avez des gens qui viennent témoigner. Et en fait, tu écoutes leur témoignage, tu te dis, mais ils ne parlent que d'eux, en fait. De temps en temps, Jésus, pour justifier, mais ils ne parlent que d'eux-mêmes. Je dis, mais c'est incroyable. C'est terrible. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils parlent leur témoignage, tu dis, mais à la fin, tu as mis des applaudissements à eux. Oh, purée, t'es incroyable, quoi. Non. On ne se vante pas. Et dans cette recherche de reconnaissance, très souvent, ce sont les gens les plus frustrés et les plus blessés. Parce que la reconnaissance qu'ils attendent des autres vient rarement. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout si tu es dans une église ou dans une communion de frères et sœurs où des gens sont spirituels. Ils ne vont pas applaudir ta chair. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui sont frustrés des fois dans l'église, mais parce qu'ils ont cet état d'esprit d'être applaudi, d'être vanté. Ne se vante pas. Je ne cherche pas cette reconnaissance des gens. J'ai besoin d'être édifié. Il y a une différence entre le fait d'être édifié. C'est pour ça qu'on applaudit des fois. Souvent même tout le temps. On applaudit. On applaudit. Mais pas pour flatter les gens. On applaudit pour l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne. On applaudit pour l'attitude de cœur de la personne qui se donne à Dieu pour édifier le corps de Christ. Et on applaudit ça. Ouais, chouette, super. Comme Paul le fait dans le Nouveau Testament. Il parle de plusieurs personnes. Il dit, je loue telle personne. Et il édifie les gens. D'accord ? Donc, je pense que c'est une bonne chose. Mais là, c'est quelqu'un qui cherche la reconnaissance, qui cherche à briller, qui cherche à être applaudi. Et ça, mes amis, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Et des fois, vous avez des gens même qui ont du mal à être édifiés, applaudis, mais parce qu'ils ont cette convoitise de cœur ou ce manque d'amour. Donc, ceux qui cherchent à être applaudis, comme des fois ceux qui ont peur de l'être pour des raisons naturelles, en fait, sont juste les deux faces de la même pièce. Et Paul dit, mais c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. J'ai pas besoin d'être applaudi ou d'avoir de la reconnaissance. Or, les Corinthiens n'attendaient que ça. Et voici que je parle en langue, et voici que je prophétise, et on se lève. Oh, mon frère, ma soeur, voilà, tu vas te marier avec Gérard. Attends, je suis déjà marié avec Pierre. Ah, pardon, je me suis trompé, c'est la boussole qui a... Non, et les gens, ils essaient de briller, quoi. Mais imaginez-vous, tu sais, là, je suis en train de faire le ménage dans l'église, puis j'ai mon œil là qui... Est-ce que quelqu'un va me bénir? Est-ce que quelqu'un voit? Tu es là, tu regardes, tu es là, puis tu attends, mais quelqu'un rentre dans l'église, allez, on y va. Et puis tu es à la vaisselle, puis on est deux... Et tu mets tu attends que l'autre fasse le plus, mais dès qu'il y a un ancien ou le pasteur, là, allez, on se jette un peu d'eau pour dire, ça fait chaud. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de l'amour qui vraiment ne cherche pas ça. Ne cherche pas la reconnaissance. Ne cherche pas la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que par définition, l'amour, il est décentré de lui-même. Mais mes amis, on ne peut pas le faire par nous. Vous avez essayé d'être décentré de vous-même ? C'est le cas. Le matin, non, ça ne marche pas. Faites gaffe, il y en a qui finissent avec des AVC avec ça. Non. Je finis avec ce principe qui est vrai dans la nature. Ça s'appelle le principe du sillon. C'est qu'il existe, par exemple, vous allez dans la forêt ou quoi que ce soit, puis vous avez des chemins qui sont tracés, il y a des sillons qui sont tracés, alors soit parce qu'ils ont été faits par la main d'homme, ou soit parce que, enfin je veux dire par une société ou quoi que ce soit, mais des fois aussi vous avez des sillons qui ont été tracés par le fait que des gens sont passés par là à plusieurs reprises, et il y a un chemin qui est au milieu du chemin où il y a des chemins qui ne devaient pas être là, qui sont là. Et dans notre âme est comme un champ en fait. L'âme de l'être humain, c'est comme un champ avec des sillons. C'est pour ça qu'on peut avoir des addictions, c'est pour ça qu'on peut avoir de mauvaises habitudes, parce que
c'est à force de répétition, on a créé des chemins, on a créé des sillons dans notre âme. Et des fois, on sait, par exemple, on sait que ces chemins-là ou ces sillons-là sont mauvais. Mauvaise habitude, mauvaise façon de parler, mauvaise façon de penser, par rapport même à ce que je viens de dire là, problème émotionnel, des fois même équilibre psychologique. Mais parce qu'il y a eu des sillons, c'est-à-dire des chemins qu'on emprunte très souvent. Et la Bible dit que, et c'est le ministère de Dieu au travers de son amour. Tu sais, quand Paul il parle de l'amour est patient, l'amour, tout ce que je viens de dire ce matin, c'est que Dieu veut nous introduire dans, en tout cas, il veut introduire dans le champ de notre âme de nouveaux sillons. De nouveaux sillons. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qu'on doit emprunter qui ne sont pas des chemins qui sont naturels. C'est-à-dire que tu arrives dans l'endroit là, il y a un chemin qui est tracé, où il y a des chemins, et Dieu te dit non, il faut les abandonner ces chemins. Et vous savez ce qui se passe quand on abandonne un chemin, quand on ne l'emprunte plus, quand on ne s'en occupe plus, qu'est-ce qui se passe? La nature reprend ses droits. Et puis ça repousse, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'on doit faire dans notre âme. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qu'on ne doit plus emprunter. Sous-entendu qu'on doit en emprunter d'autres. Parce que si on est là et puis on se dit « Non, j'y vais plus. » Ouais, mais t'es pas appelé à rester là non plus. Donc il y a des chemins qu'il faut emprunter. Il y a d'autres chemins qu'il faut créer. Il faudra peut-être débroussailler. On casse des branches. C'est pour ça que, comme disait Pasteur Georges tout à l'heure, lorsqu'il parlait de la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est cet outil qui, dans notre âme, crée de nouveaux sillons. Notre part, c'est d'écouter en vue d'obéir. Alors, on en a parlé à l'étude biblique mardi. Et Dieu crée ces nouveaux sillons, ce qui fait que, quand on est rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit, à cause de la parole qui a fait ce travail dans notre âme, et on a laissé Dieu faire ce travail dans notre âme, eh bien, le Saint-Esprit a une liberté d'exprimer l'amour dont on est en train de parler ce matin. Peut-être que ça va prendre du temps pour que l'amour ne se vante pas. J'ai tellement de problèmes d'identité que jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement besoin d'être reconnu. J'ai tellement besoin d'être aimé. Et peut-être que je n'arrive pas à trouver cette reconnaissance, cet amour auprès de Dieu. Peut-être. Je ne vais pas me culpabiliser. Mais je vais dire, ok Seigneur, aide-moi à te laisser créer en moi ces nouveaux sillons et à te laisser faire ce travail en moi afin que je puisse trouver ma reconnaissance et l'amour dont j'ai besoin dans ta présence. Vous comprenez? Donc c'est tellement important de comprendre le travail de Dieu dans nos vies et encore une fois, je dois rester à l'endroit où Dieu peut le faire dans ma vie. Je dois rester à l'endroit où Dieu peut le faire dans ma vie. Vous savez, nous sommes des êtres immatériels aussi. Et il y a des choses qu'on ne voit pas du travail de Dieu dans nos vies. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on doit se décourager. Tu sais, je viens à l'église, mais ça, je ne comprends pas. Ça ne change pas. Quoi. Ouais, mais peut-être que Dieu est en train de débroussailler un nouveau chemin. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Des fois, oui, mais c'est rare. Très souvent, ça prend du temps. Parce que ben, quand on arrive toujours à cet endroit, on a l'habitude de prendre ce chemin, puis on dit, ah mince, c'est vrai qu'il ne faut plus que je l'emprunte. Et ça prend du temps, quelque part, pour laisser à Dieu de recréer ces nouveaux sillons en nous, créer de nouvelles émotions soumises à la parole de Dieu, créer une nouvelle façon de penser qui reflète la parole de Dieu, une nouvelle façon de voir. Mais je ne peux pas le faire en moi-même. C'est la parole de Dieu qui crée de nouveaux sillons en moi et qui fait que des mauvaises habitudes, peut-être des addictions, une façon de parler, etc., etc., vont changer. Peut-être des craintes. Je suis quelqu'un, j'ai un boulevard, le boulevard dans le champ de mon âme, c'est la crainte. C'est un chemin, c'est là, quoi. J'ai l'habitude, c'est comme ça. Et je me culpabilise parce que je sais que la Bible dit qu'il ne faut pas avoir de crainte, etc. Mais c'est un boulevard, quoi. Mais l'Écriture nous dit, mais on peut demander à Dieu, dire Seigneur, pas simplement de façon juste, Seigneur, Seigneur, aide-moi à te laisser tracer en moi ces nouveaux sillons. Aide-moi. Et aide-moi à me placer à l'endroit où tu vas pouvoir le faire. Aide-moi, Seigneur, parce que tu sais à quel point je me retire très facilement. Aide-moi à rester. Aide-moi à rester pour que tu crées en moi ces nouveaux sillons. Et c'est là où, quelque part, l'amour de Dieu se manifeste. Et c'est là aussi
que du coup, l'amour de Dieu, peut-être que j'ai, qui devait être premier, est devenu second, troisième ou quatrième, mais peut reprendre sa première place en moi. Et je peux vivre une sorte de réveil personnel, profond dans mon âme avec Dieu. C'est au travers de ce que je suis en train de dire ce matin. Donc, juste encourager de ce que Dieu dit au travers de 1 Corinthiens 13. La prochaine fois, on verra encore deux autres mots, mais j'espère que c'était édifiant et que ça nous aide à connaître un peu plus Christ et à dépendre de lui. Seigneur, nous te prions ce matin pour ta parole. Merci pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Seigneur, on peut voir tellement en nous tout ce que ton amour n'est pas. Et en même temps, nous reconnaissons que c'est ton esprit, ta vie, qui peut seulement manifester ce que tu es, Seigneur. Aide-nous, Père, à venir à toi, à dépendre de toi, à nous placer à un endroit où tu peux nous renouveler, pour le dire autrement, créer de nouveaux sillons, de nouveaux chemins dans le champ de notre âme. Tu vois, Seigneur, peut-être à quel point je suis sensible, à quel point je peux être blessé par certaines paroles, par certains comportements, par un manque d'amour. Et les gens ne le doivent pas, mais j'en suis encore là. Mais vous pouvez prier ce matin, si c'est ce que vous vivez intérieurement. Vous pouvez dire, Seigneur, aide-moi à te laisser créer de nouveaux sillons en moi. Un nouveau chemin où je ne vais pas chercher cette reconnaissance. Je n'ai pas besoin de me vanter, d'être applaudi, d'être vu, reconnu. Mais je peux vivre dans la paix, dans le contentement profond, la vie que tu me proposes. Et te servir, Seigneur, mais servir le corps aussi, avec un cœur disposé à être utile, comme, Seigneur, tu l'as tellement manifesté. Donc, et juste pour finir, si ce matin vous êtes présent dans cette pièce, vous êtes dans cette église, vous avez entendu parler de Jésus-Christ, peut-être vous croyez en lui, mais vous n'avez pas réellement de relation avec lui. Il n'est pas réellement votre sauveur. Ce matin, je vous invite, vous pouvez faire cette prière dans votre cœur. Seigneur Jésus, je sais que je suis atteint par cette maladie qu'on appelle le péché. Je sais que très souvent, il y a des choses que j'aimerais faire ou différemment, mais il y a comme une loi en moi, une puissance en moi qui m'empêche. Et peut-être parce que je ne te connais pas, Jésus. Et ce matin, je crois ta parole qui dit que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as eu la victoire sur mes péchés. Tu es mort à la croix et tu es revenu à la vie parce que tu as vaincu la mort, le péché, même le diable. Et Seigneur Jésus-Christ, ce matin, devant toi, devant les anges, devant le corps de Christ, je prends cette décision de t'accepter comme mon sauveur. Et si ce matin, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ce matin, si vous avez pris la décision de recevoir le Christ Jésus comme votre sauveur, c'est un moment que Dieu veut inscrire dans l'histoire de votre vie et dans l'histoire de l'éternité. C'est un moment, c'est la plus grande des décisions dans l'histoire d'un être humain. Si ce matin, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, je vous demanderai de brièvement juste lever la main. C'est entre vous et Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, vous pouvez juste lever la main brièvement. Merci pour cette main. Si quelqu'un d'autre ce matin peut avoir l'assurance d'être enfant de Dieu, d'accepter le Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever la main. Merci pour cette autre main. La Bible dit que vous êtes passé de la mort à la vie, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous étiez seul, et maintenant, vous avez un Dieu qui est venu dans votre cœur. Seigneur, nous voulons encore, ce matin, pour finir, te glorifier et t'adorer. Parce que cet amour dont on lit dans l'Écriture, c'est qui tu es. Et aide-nous, Seigneur, à te laisser la place de plus en plus. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.